ma cookteam, je suis de retour donc avec la vidéo tant attendue de la découpe d'un gâteau. Donc j'ai fait un layer cake, mais vous pouvez faire avec un wedding cake en pâte à sucre ou en crème, peu importe, c'est exactement la même chose. Donc toujours, bah, je vous remercie toujours autant d'être toujours à liker mes vidéos, vous êtes de plus en plus à vous abonner, franchement ça me fait trop plaisir. Donc du coup, bah, je voulais quand même vous remercier, puis bah, n'hésitez pas, les personnes qui passent par là, bah, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et du coup, bah, partager ma vidéo si ça peut intéresser d'autres personnes. Donc alors, on va commencer cette vidéo, alors toujours le petit sopalin. Alors j'ai pris une planche à découper, vous n'êtes pas obligé, si vous n'en avez pas c'est pas grave, c'est juste pour avoir une surface plate pour bien vous expliquer. Bien sûr dans les mariages en général il n'y en a pas, mais vous pouvez mettre dans une assiette ou autre pour découper le gâteau, mais c'est toujours mieux d'avoir ça sous la main et bien sûr le couteau qui va couper ce joli gâteau. Donc alors je vais le couper de manière à ce que la fin ça reste nette, comme ça je peux faire la photo de fin pour la vidéo. Donc alors, ah oui, je voulais revenir sur un point parce qu'on m'a posé la question pour le rehaussement des gâteaux. Alors quand je dis pour rehausser un gâteau, là par exemple c'est un 12-15 parts, ça va jusqu'à 15 parts. Mais par exemple si vous voulez faire plus de parts mais qu'il n'y ait qu'un seul gâteau comme celui-ci, en fait vous avez juste à faire votre recette. En fait, vous multipliez par 1,5 votre recette, vous faites dans deux moules séparés, la ginoise sera beaucoup plus haute, et plus le gâteau est haut, et plus on pourra faire de parts. Parce que si en fait votre gâteau il est plus haut, du coup, là, la manière qu'on va le couper, on pourrait le recouper en deux. Mais je vais vous expliquer ça pendant la vidéo. Mais voilà, c'est pour éclaircir ce point-là, parce que des personnes m'ont demandé comment faire pour rehausser son gâteau, donc c'est simplement comme ça que je fais, c'est que je multiplie ma recette soit par 1,5 ou par 2, et toujours dans deux moules différents, comme ça, et ben ça me fait beaucoup plus de génoise, c'est beaucoup plus haut, et pour atteindre le bon nombre de personnes. Bon, en tout cas, un 15 cm de diamètre normal, une génoise de taille normale, comme sur la recette que je vous avais partagée de la recette de génoise, c'est exactement la même chose que j'ai fait, et ça c'est pour aller jusqu'à 15 personnes. Donc maintenant je vais vous expliquer comment couper les gâteaux. Donc je vais juste le tourner pour avoir le côté de découpe. Alors je vais retirer la petite déco. Donc en fait votre gâteau, là je vais couper la tête du gâteau pour que vous puissiez voir comment couper la tête du gâteau, donc ici, et comment couper le milieu du gâteau, d'accord? Donc, je vais commencer par découper ici. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui font avec un chalumeau. Moi, j'ai jamais fait avec le chalumeau. Alors, voilà ce que ça donne. Ben, donc je vais venir poser mon gâteau. Et là, déjà, avant de couper, je vais quand même regarder le nombre de parts que je peux faire. Bon, je pense que je peux en faire 4. Donc, je vais couper le centre et ensuite je vais couper les deux parts, d'accord? Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc ça fait des longues parts. Ensuite, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est quand vous allez rehausser votre gâteau, donc il sera beaucoup plus long que celui-ci, donc vous pourrez vous couper vos parts en deux parce que ça sera deux fois plus grand. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a fini avec ce côté là ça pour la tête du gâteau, déjà vous pouvez faire 4 parts. Ensuite, donc je vais essayer de couper comme ça, je vais mettre sur le côté pour que vous puissiez voir. Je vais essayer de faire en sorte que ça soit droit, c'est vrai que c'est compliqué quand je suis pas en face. Voilà, donc je vais couper ici. Donc je coupe le gâteau. Hop, je mets mon gâteau ici. Et là, voilà, je vais juste bien le centrer. Voilà. Donc on va couper déjà le gâteau en 4. Même franchement, parfois, on peut couper en moins que ça, tellement les parts sont énormes. Donc là, j'ai coupé en 4. Déjà, juste là et là, ça vous fait 8 parts. Donc, en sachant, ça vous fait 8 parts. Regardez ce qu'il vous reste du gâteau. Il vous reste beaucoup plus de la moitié. Donc déjà, si là on coupe 4
plus 4, ça fait 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc vous pouvez vraiment faire beaucoup de parts. Donc pour vous dire que c'est vrai que visuellement, parfois ça, ça arrive souvent. Parfois on me dit, ah mais il n'y aura jamais assez, de parts pour tout le monde, etc. Mais je vous promets qu'il y aura assez de parts pour tout le monde. En fait, même si on met, par exemple, moi je dis toujours entre, que ce gâteau-là c'est un 12-15 parts. Après on peut aller au-delà, mais je trouve qu'il ne faut pas aller plus de 15 parts si on veut vraiment des belles parts comme celle-ci. C'est mieux de ne pas aller au-dessus. Parce que je sais qu'il y a une fois, une personne qui m'a dit que sur ces côtés-là, il n'y avait pas, beaucoup de gâteaux, ce qui est normal parce que c'est l'arrondi du gâteau. Donc du coup, vaut mieux compter 15 parts, comme ça vous aurez 15 belles parts sur ce type de gâteau. Donc ensuite, ce que je vous expliquais, si par exemple, c'est, on va dire c'est votre dessert, c'est pas pour un goûter ou quoi, parce que pour un goûter, il faudrait une bonne part quand même. Eh bien, vous pouvez prendre votre couteau et vous recouper en deux. Alors, je ne peux pas tout couper comme ça, je vais juste vous montrer ce que ça donne une part grande. Donc en fait, elle est en long. Du coup, ça donne ça. Voilà. Et aussi, ce que j'avais expliqué dans l'autre vidéo, c'est qu'en fait, j'essaie de faire en sorte que la crème soit pas plus épaisse que la génoise et que la enfin que ça soit un équilibre. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais en gros j'essaye de faire en sorte que ma génoise et ma crème soient de la même taille. Après, si le bas du, en fait le fond du gâteau, donc tout en bas, si c'est un petit peu épais, c'est normal, c'est parce qu'en fait comme c'est la tête du gâteau, donc c'est ce que je coupe en dernier comme j'avais expliqué dans une vidéo, dans une autre vidéo. Donc voilà, ça c'est pour une grande part. Et si vous voulez une plus petite part, quand vous coupez en deux, ça vous donne ça. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte quand même, mais ça fait des super belles parts. Je trouve en grand comme ça, je trouve que c'est bien quand c'est que pour les goûter. Puis là, si c'est pour un dessert et puis qu'il y a d'autres desserts à côté, c'est vrai que c'est toujours bien de couper en deux. Donc voilà, j'espère que j'ai bien expliqué comment découper le gâteau, que vous allez réussir à le faire. Je sais que, bien sûr, les personnes qui sont bien expérimentées savent le faire. Et j'ai énormément de messages de personnes qui ont peur déjà juste de se lancer déjà dans la pâtisserie. Donc franchement... comme je vous dis, bah, il faut juste bien y réfléchir, hein. il n'y a pas de stress à avoir. Faites des gâteaux pour vous-même et ensuite vous pourrez vous permettre de les revendre. De toute façon, j'ai mis plein de vidéos si ça peut vous intéresser au niveau de, voilà, de compter, calculer combien vous revient un gâteau et puis combien vous pouvez le vendre, etc. J'ai donné plein de recettes aussi qui pourront vous aider. Donc voilà, donc, j'espère vraiment que cette vidéo elle va vous plaire. Pour la prochaine vidéo, donc pour les personnes qui m'ont suivi sur Snap, c'est la ganache que j'ai réalisée, c'était un test. Donc du coup franchement elle se tient super super bien. Donc du coup je pense que je vais faire pour une prochaine vidéo, ça sera sur les trois types de ganache, donc chocolat au lait, chocolat noir, chocolat blanc. Et je vous ferai avec le test que j'ai fait, donc je vous partagerai parce que là du coup je vois que ça a marché. Donc je peux me permettre du coup de vous partager la recette. Donc voilà, bon bah cette vidéo est terminée, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.